Tu peux les cicaver? Tu fumes? Non. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais un professeur qui était une vraie peau de vache. Chaque matin, ils venaient renifler nos haleines et celles qui puaient le tabac froid avaient systématiquement droit à un point au moins sur leur moyenne. Mais la prof aujourd'hui, c'est moi. Oh, des yeux verrons. Waouh, jamais vu ça auparavant. C'est très rare. Tu sais comment ça s'appelle? L'hétérochromie. Bien. Tu sais ce qu'on dit dessus? Simple décoloration de l'iris. Non, pas en termes médicaux, non. Donc que chaque œil verron représente une âme différente, des âmes capables d'entrer et sortir par ses pores. Simple décoloration de l'iris n'ayant aucune autre conséquence. En fait, moi, c'est Madame Wilson. Oui, je sais. Mais tu peux m'appeler Catherine, si tu veux. Non, mais je préfère vous appeler Madame Wilson. Comme tu voudras, Mademoiselle Clavel. La grande majorité de nos clients n'ont même plus la force d'aller jusqu'aux toilettes. Inutile de te dire qu'ils ne feront pas l'effort de venir nous ouvrir. Le petit pépé chez qui on va nécessite pas trop de soins, juste une piqûre. Il est complètement à l'ouest. Il adore bavasser. Il ne reste pas plus d'un quart d'heure. Sinon, ça décale tout le planning, on se retrouve dans les emboutes. Non, merci. Tiens, moi, ça à toi. J'en ai plus. Piqué, hein? Non, calme-toi, c'est moi, hein? Hé, tu vas quand même pas nous claquer dans les pattes en début de journée, non? Hein? Oui. C'est ma petite fille. Oh, mais non, tu sais bien que ça fait belle lurette qu'elle vient plus te voir. Ça, c'est Lucie, une petite jeune fille qui va rester avec moi pendant 10 jours. Elle fait un stage. Ma petite fille, elle va venir. Dis bonjour à Lucie, André. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Marshall. Non, arrête ton cirque. Il me fait toujours la même comédie, il a horreur de ça. Je peux lui faire. Bon. T'as déjà piqué autre chose qu'un mannequin? Si c'est pour lui casser l'aiguille dans le bras, je préfère pas. Hein. Je peux lui faire. Ok. Montre-moi ce que tu veux. Tout va bien, monsieur Marshall. Pas mal. Dites à ma petite fille qu'elle vient de me voir. Elle s'appelle Mathilda. Dites-lui qu'elle vient de me voir, s'il vous plaît. On lui dira. Bon, allez, c'est pas qu'on s'ennuie, André, hein? Mais on a de la route. Alors à demain. Alors, Maddy, quel gros cadeau tu nous as réservé aujourd'hui? Oh.
Non, tu vas m'attendre ici. Pourquoi ? T'as beau faire du beau boulot jusqu'à maintenant, t'as pas le niveau pour cette patiente. Mais c'est qui cette patiente ? Tu m'attends ici, je te dis. J'en ai pas pour longtemps, hein. Et t'allumes pas la radio, sinon la batterie va se décharger. Fouineuse et impatiente comme j'aime. T'as tout ce qu'il faut pour réussir dans le métier, ma belle. Je te présente Déborah Gessel,
Déborah Gessel était un professeur de danse très réputé, surtout très strict. Certains venaient même de Paris pour assister à ses cours particuliers. Enfin ça, c'était avant son coma. Des années qu'elle est comme ça. Tiens, ouvre la fenêtre, s'il te plaît. Un peu d'air frais, de lumière naturelle. Ça peut nous faire que du bien. Les plantes, faut que ça respire. Vous avez entendu lui parler? Oh, je raconte mes petits malheurs. Moi, je suis sûre qu'elle va pas m'interrompre pour aller les répéter. Hein. Et ça coûte toujours moins cher que le psy. Lire était l'un des rares loisirs que Gessel s'octroyait. T'aimes lire, toi? Ouais. Bah vas-y, choisis-en un. Quoi? Allez, vas-y. Prends-en un au hasard, je te dis, sans réfléchir. Moi, je fais souvent ça pour choisir un livre. J'y connais rien en littérature. Vas-y, pioche. Ferme les yeux, pioche. Sûrement rien d'autre qu'une saloperie de mythe. De toute façon, j'ai pas trop le temps de lire en ce moment avec tous mes cours. Tu veux remettre ça? Et pourquoi on la transfuse? J'en sais rien, je suis pas médecin, moi. Et encore moins manucure. Ça prend pas beaucoup de temps de couper des ongles. Dans l'état où elle est, je pense qu'elle s'en tamponne un peu de ses ongles. Peut-être, mais sa famille, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'on fait pas notre boulot? Sa famille? Mais la seule qu'on lui connaisse, c'est sa fille. Muette de naissance. Et morte, de surcroît. Morte alors que tes parents devaient même pas encore se connaître. Et pourquoi elle est pas en centre long séjour, alors? Crever chez elle était sa dernière volonté. Quand t'as du fric à en chier par les narines, j'aime autant te dire qu'on les respecte, tes dernières volontés. Déborah Gessel est très riche. Paraîtrait même qu'elle a un trésor. Quel trésor? Bon, sûrement du fric, des bijoux, des lingots d'or. Enfin, la valeur d'un trésor hésite parfois dans son secret, comme on dit. Oui, bon, tu penses bien que j'ai essayé toutes les serrures de cette foutue baraque avec. Hein. Et elle a aucune chance de sortir un jour de son coma? Non, enfin si, enfin... Autant que moi de rencontrer un Jules plein aux as qui m'emmènerait loin de cette vie de misère, hein, ça, oui. C'est complètement irréversible, alors. Bon, allez, ferme les volets. Si on les laisse ouverts toute la nuit et qu'il y a un contrôle, ça va encore me retomber dessus. Foutu rapporteur. Je les laisse et ça le part du contrôleur médical. Bon, bonne nuit, Déborah. Hein? Et pas trop de folie cette nuit. Je sais que c'est pas toujours facile d'apprendre ce foutu métier, mais t'as fait du bon travail pour cette première journée. Hein? Merci beaucoup, Madame Wilson. Mais de rien, Mademoiselle Clavel. Alors à demain, hein? Même heure, même punition? À demain. Bonne soirée.
Oh, Lucie! Va me moquer, toi. Toi aussi. Ça va? William. Belle, putain. Arrête. Ah, ça va. C'est pas parce que je fais le poids Sky que... Hey. William. Tu vas nulle part avant qu'on ait fini de décharger tout le poisson. Allez, allez. Ça va, là. Bonsoir, monsieur Kerrienne. Bonsoir. Bonsoir aussi. T'inquiète, je fais vite. Allez. Après, on va se boire une bière. Parce que tu me racontes ta journée au chaud. Maman. Ça va, Lucie? Bien? Alors, comme ça, tu viens de narguer sur mon lieu de travail avec ce blaireau qui pue la sardine maintenant. Exactement, Ben. Alors, justifie les 50 misérables euros que maman te donne tous les mois et ramène-nous de Celtica, ok? Ah, vas-y, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Parce que désaltérer des mains, ça, c'est du taf, mon pote, c'est bien. Ouais, ouais, mon gars. Excuse. Alors, raconte ta première journée, là. Ben, ça va. L'infirmière qui m'encadre est... Du genre grande gueule, mais plutôt cool au final. Et les patients, ils sont comment? La plupart, ils parlent plus depuis longtemps. Ouais. L'angoisse, quoi. Ah ouais. Tu te souviens, la grande maison dans la lande, là, près du chemin de Carantec? Bien sûr que je m'en souviens. T'es sérieuse ou quoi? Ma mère, elle nous interdisait toujours de traîner dans ce coin. Avec Ben, on passait devant nous juste pour voir si on avait des couilles, tu vois. Mais attends, pourquoi tu me racontes ça, toi? T'y allais? Peut-être. Faites quoi après? Un truc sans toi, t'es gay. C'est que moi, normalement, je devrais pas tarder à finir si la mère... Elle... Ouais, j'arrive. Putain, même pas deux secondes, elle me laisse souffler. Allez, allez. Salut. On va dire, raconte sérieusement, t'y allais ou pas? Y'a quoi là-bas? Juste une vieille femme. Une vieille? Ah, et puis vieille, c'est le mot. Largement centenaire. Toujours vivante, mais totalement inerte. Je suis désolé, mon petit cœur, mais... Elle est pas très palpitante, ton histoire. Ah, c'est parce que je l'ai pas fini. Donc la vieille, elle est dans le coma, mais elle est aussi très riche. Et d'après ma tutrice, elle aurait même planqué un trésor dans sa maison. Quel genre de trésor, là? Elle en sait rien, elle est encore en train de chercher. Attendez, si c'est nous qui le trouvons avant elle, on casse un carreau et hop, c'est fini. Quoi? Mais attends, t'es malade, là? Qu'est-ce qui te prend, là, de vouloir cambrioler les petits vieux, là, d'un coup? Vous parlez de quoi? Tu sens pas, là? Je sais pas, là, on a envie de changer de vie, non? Ça fait pas, ça. Ah ouais, ouais? Et qu'est-ce qu'elle a, ta vie? Oh, vous parlez de quoi? Ah, vous parlez de quoi? J'ai 22 ans, j'ai déjà les mêmes mains que mon père. Ah, j'aime la mer, j'adore la mer. J'ai juste pas envie d'y mourir dessus à petit feu. Comme mon père et comme son père avant lui. On m'a jamais donné d'autre choix que ça. C'est mort. Moi, j'ai envie d'être sur Terre. Avec toi, longtemps. Et loin d'ici. Pour Ben, c'est pareil. Combien de temps tu vas continuer à faire le larbin volontaire dans les jupons de maman, hein? Je sais pas de quoi vous parlez, surtout, en fait. Ouais. Il se passe quoi? Moi, je vous laisse. S'il vous plaît. Oh, psy. Oh. Bon, Lucie. Oh. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive, là, hein? Toi-même, t'arrêtes pas de me dire que ton père, il a des problèmes de thunes. Il est même obligé de travailler la nuit maintenant depuis la mort de ta mère. Laisse ma mère où elle est, William, d'accord? De toute façon, t'es qu'un gamin, un putain de gamin à qui on peut rien dire sans que tu te mettes à le délirer tout seul. Puis rafraîchis-moi les mémoires, t'as pas fait deux mois de tôle là, hein? Pour avoir volé des télévisions dans le garage d'un flic en plus? Arrête avec cette histoire, s'il te plaît.
Ce salopard de Condé, c'était d'abord avant toi un putain de reseller, ok? Tu le sais très bien. Il m'a dit, de toute façon, je dois retourner bosser. Sinon, mon père, il va m'éplucher la gueule. Mais réfléchis, toi, s'il te plaît. Réfléchis, d'accord? Oui, ma chérie. Oui, on se voit ce week-end. Je dois raccrocher. Lucille vient de rentrer, je dois partir au travail. Je vais lui dire. Lucie, je pars travailler. Tu l'appelles déjà ma chérie. 8 mois seulement après la mort de maman. Ta mère a choisi de partir et Janice est une femme très gentille. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé de me dire, Janice la gentille? Qu'elle allait venir vivre avec nous. Quoi? Je te laisse ma puce. On en parle demain. Je pars travailler, je vais être en retard. Bon, on casse rien et on prend juste le nécessaire. Juste de quoi s'offrir une plus belle vie, promis. Tu vas pas le regretter. J'espère. Alors les blaireaux, comme ça on a peur d'aller faire des poches à mamie sans moi. C'est surtout les points sur ton permis qui nous intéressent. Vas-y, roule là. Et vous n'avez pas tous les perdre en un mois. Tiens. On aurait dû prendre mon vélo plutôt que ça, ça l'épave de merde. Ouais, bah comme ça tu sais quoi lui offrir avec ta part. Mais reste tranquille sur ma caisse, ok? Elle redémarre toujours. Vas-y, cassez-vous là, vous êtes tous les... Eh ben voilà, je vous ai dit qu'elle redémarrait toujours.
attends. Garde-toi là. On se couvre au maximum. On va continuer à patte. Tiens. Mais t'es sérieux, mec? Ça, c'est maté d'oreiller, ça. Ta gueule. Attends, attends, William. Deux secondes. Calme-toi, là, que je comprenne bien. Tu veux qu'on se balade pendant 2 heures dans cette foutue lande, tous habillés comme un mec du Ku Klux Klan, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec ces cagoules? On va lui foutre la peur de sa vie, à la peau. Des bonbons, des sorts, mamie, non. Vas-y. Sérieux? C'est bon, t'as fini? Prends-la, je te dis. Allez. On va peut-être faire une petite balade dans la lande, j'espère. Je suis prêt à devenir très riche, ouais. Et toi, là, d'ailleurs? Avec tout le fric, on va pouvoir emménager ensemble et tu pourras même me faire le petit déjeuner. Si tu veux le petit déjeuner, je te conseille de dormir dans la cuisine. Ça fait 25 minutes qu'on marche, j'en peux plus, j'ai les godasses tremblées. Tu sais où est-ce qu'on va, Lucie, au moins? William. Ça va, tranquille, personne va nous entendre ici. Hein. C'est pas ça. C'est très bien ce qu'on dit. Si je plais dans la lande, la nuit de la Toussaint, ça attire le mauvais oeil. T'écoutes trop les pochetons du bar, toi. Hein. Je suis déçu, c'est presque trop facile. On en reparlera devant la porte. Ouais, t'en fais pas, va. La porte, je la défoncerai à coup de pompe s'il le faut. Sans un putain de pied de biche, on va rester dehors toute la nuit. Ne trace pas de casse, sinon c'est sans moi, je vous avais prévenu. J'ai pas dit mon dernier mot, ma puce. T'inquiète. Continue à checker, toi. Où tu vas, toi. Allez, allez. Il est sérieux. Ouais, finalement, je crois pas que c'était la meilleure idée du monde de faire un cambriolage avec des mecs comme vous. Pas encore trop tard pour aller boire une bière au chaud. Will, écoute-moi.
Eh Ben, je t'offre une nouvelle vision, on arrive à rentrer. Mais mec, je pense que ça sert à rien. On n'arrive pas à rentrer dans cette baraque sans démonter une putain de fenêtre. En plus, on sait même pas vraiment ce qu'on cherche. En plus, on sait même pas vraiment ce qu'on cherche. En plus, on sait même pas vraiment ce qu'on cherche. Mais ça, on va pas tarder à le savoir, les mecs. Allez, venez. S'il y a un putain de trésor ici, c'est sûr qu'il est pas dans ce foutoir là. Allez, remonte. Il a dit qu'on réussira à rentrer. Et elle est où la vieille ? Au dernier étage. Allez. Les flics aussi. Lui dire des conneries, il va commencer à chercher, toi. Will, je le sens pas. Ça veut dire quoi, ça? Tu renonces à ta part, hein? Hein? Hey, Will, regarde ça. C'est de l'argent, je crois, ça vaut de la thune. T'as besoin d'une théière, toi? Je sais pas. Wow. Des ciseaux, mais pas trop dessin. T'es pas un brocanteur. Je sais pas, moi. Qu'est-ce que je veux savoir? Alors, le trésor, c'est forcément un gros tas de pognon ou des bijoux. Ah, mais j'espère. Il me chier dessus. Ça s'appelle comment déjà là quand on empaille les animaux? La taxidermie. Petite bite. Taxidermie. Hé! Hey. Aucune trace. Ouais, désolé.
des cadenas partout. On s'en fout. On monte. Elle n'avait qu'une seule fille. Maître de naissance est morte depuis des décennies. Au moins, elle viendra pas nous faire chier pour l'héritage. Hein. Hé hey, hey, ramenez-vous. De grandeur nature. Mais quel genre de gosse s'amuserait avec un truc? Fermé que les autres, non. C'est qu'il y a une raison, non? Cette raison, c'est qu'il y a le putain de trésor derrière. D'accord, William, ok. Mais on n'a pas la clé, on sait pas où aller. Sans déconner, Sherlock. J'ai celle. Elle a une clé en pendentif. Cette clé, elle ouvre forcément la porte, ça veut dire. Tu veux comment te la récupérer? Elle est dans le coltard, la vieux, non? Elle est dans le coltard ou pas? Non, oui. Non, je fais pas ça. On risque rien, lui emprunter un petit moment. Juste un petit moment. C'est vrai, je me puce. Vas-y, fais voir, tu vois.
Ok, maintenant on se casse d'ici là. On trouvera rien ici à part des emmerdes. Alors tu me rends le médaillon, on le remet à sa place et on se barre. Vote. Putain, mais qu'est-ce que t'as fait? On n'a plus le choix maintenant, on va jusqu'au bout. Allez. Y'a rien ici! Le cache-feu, ce putain de truc là! Putain, mais y'a rien! Fermez-la! Celui de la fille de Gessel. C'est elle, le trésor. Éclair en bas. Éclair en bas. Impossible. C'est un charbon qui travaille. C'est rien. On se casse. Allez, on se casse. Elle est où? Madame Gessel. Il faut se barrer d'ici, là, vraiment, tout de suite. Viens, William, on va essayer la fenêtre. Putain, je suis mais vous assure qu'il était pas fermé tout à l'heure. Thank you.
Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Anna. Quoi, Anna? La fille de Gessel. Je m'en branle du nom de la fille de Gessel, moi. On va fouiller sa chambre. T'as bien vu qu'il y avait que dalle dans sa chambre. Pas de trésor, pas de clé, rien. Alors reste là. Tu continues d'essayer d'ouvrir les volets. Dis pas n'importe quoi, Lucie, d'accord? On se sépare pas tant qu'on n'a pas trouvé Ben. Ok? Ok. Will. Fais ce que je te dis. Thank you.
Ophélie, tu fais n'importe quoi. Sors de la salle. Vite! Mademoiselle, rentrez chez vous, vite! Révérence! Allez, allez! Anna! Qu'avec des inconnus! C'est toi, Lucie ? Oui. Ben ? Qu'est-ce que tu fous avec ce truc sur la tête, là ? T'étais où, bordel ?
Avance. Allez. Allez. Le soleil et la lune ne veulent pas de toi. Encore moins ceux qui vivent en dessous. Plutôt que de vouloir nous mettre en péril, à vouloir t'échapper. Allez, relève. Allez. 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 Oh. Puis, assoupissement. Vas-y. 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 Allez. Plus bas. Descends. 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 Plus bas. Plus bas. Allez. Allez. Encore. Encore. Morte. Juste mon devoir. Wilson, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas parti chez toi comme les autres?
Danse, ma fille. Danse!
Même pas la nuit.